الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes honorables frères et sœurs, vous savez toutes et tous que l'être humain était créé faible et que combattre son âme, c'est un combat de tous les jours. Une fois elle gagne, une fois on gagne. Et souvent elle gagne notre âme malheureusement. Souvent on tombe dans le péché, petit ou quelquefois grand péché. Souvent on regrette, souvent on se relève, souvent on retombe. Mais ce qui nous est demandé, c'est de ne jamais abandonner la demande de pardon. De se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, avec regret, quand on a péché, quand on a fauté. Et il y a mille et une manières de demander pardon à Allah quand on a commis des péchés. Parmi ces manières, il y a le fait d'accomplir deux unités de prière, de faire ce qu'on appelle la prière du repentir. Mais avant de t'expliquer et de te rappeler qu'est-ce que la prière du repentir, permets-moi de te rappeler que notre Seigneur, sa miséricorde et pas sa colère. Et pourquoi pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que Iblis a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, écoute bien, Iblis, Shaitan a reconnu et ne cessera de reconnaître la grandeur et la puissance d'Allah. Et il dit, Iblis, wa izzatika, par ta puissance, ô Allah, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leur âme sera dans leur corps. Tant que leur âme sera dans leur corps. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à Iblis, à Shaitan, en lui rappelant c'est qui Allah, en lui rappelant que sa miséricorde devant sa colère, et en lui rappelant c'est Allah qui fait ce qu'il veut quand il veut. Et personne n'est au-dessus d'Allah, man ala fallahu a'la. Et il dit wa izzati wa jalali, par ma puissance et par ma grandeur, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Allahu Akbar. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Je demande pardon à Allah et je reviens vers lui. De quelle manière demander pardon à Allah, ne serait-ce qu'en disant Astaghfirullah, sincèrement avec le cœur. Et bien sûr, on doit s'éloigner au mieux selon nos capacités, bien sûr des grands péchés, mais aussi des petits péchés. Et dans tous les cas, que tu fasses un grand ou un petit péché, repens-toi auprès d'Allah. Personne n'est infaillible. Et jusqu'à ton dernier souffle, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut avoir une bonne opinion de ton Seigneur en étant persuadé que sa miséricorde devant sa colère, c'est-à-dire une bonne opinion d'Allah azza wa jal, au moment de ta mort, de tes derniers instants de ta vie, tout au long de ta vie aussi d'ailleurs, ben, tu crains les conséquences néfastes de tes péchés, mais tu sais que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal dépasse sa colère. Et ainsi tu seras dans le juste milieu. Eh bien, sache qu'il t'est demandé de te repentir chaque jour, surtout quand tu as commis des grands péchés. Comment on se repent? De manière générale, vous connaissez ici les conditions du repentir. Regretter ce qu'on a fait, avoir la ferme résolution de ne plus recommencer. Eh bien, si tu retombes encore, repends-toi encore une fois. L'avoir la ferme résolution de ne plus recommencer, abandonner le péché dans lequel tu étais, être sincère dans ton repentir, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le repentir a des conditions. Et on peut se repentir de plusieurs manières, comme j'ai dit précédemment, ne serait-ce qu'en disant pardon, ya Allah, astaghfirullah, en levant ses mains, en regrettant dans son fort intérieur, en abandonnant le péché. Mais il y a une manière qui te permettra, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, de te rapprocher plus rapidement et d'une manière beaucoup plus noble de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et voir, incha'Allah, tes péchés, petits et grands, être pardonné auprès de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Si bien sûr tu as regretté, tu as abandonné le péché, tu as la ferme résolution de ne plus recommencer, mais de quelle manière? En accomplissant deux rak'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui accomplit bien au mieux ses ablutions, à condition de faire bien ses ablutions. Tu as commis un péché, tu te dis, bon, je vais faire bien mes ablutions. Voilà ce que dit le prophète, alayhi salatu wasalam. Toute personne qui, après avoir commis un péché, accomplit correctement, au mieux, avec excellence ses ablutions, puis fait deux unités de prière, dans la journée, surérogatoire. Mais toi, ton intention, c'est de te rapprocher d'Allah avec une œuvre de bien afin que Dieu te pardonne après que tu lui aies demandé pardon. Donc à travers quoi? As-salat. Pourquoi? Parce qu'il est toujours bien de précéder. Ici,
un acte de faire précéder un acte d'adoration aimé par Allah subhanahu wa ta'ala avant de demander pardon à Allah azza wa jalla. Le prophète il me dit, toute personne qui, après avoir commis un péché, fait ses ablutions avec excellence, ensuite il accomplit deux prières, et ensuite il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonnera. Allah. C'est pour cela qu'après la prière, ce qui relève de la sunnah, dans toutes nos prières obligatoires, qu'est-ce qu'on dit quand on a fini le taslim, assalamu alaikum, on dit trois fois, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Parce que c'est le moment le plus propice. C'est un des meilleurs moments pour demander pardon à Dieu, tout simplement parce que tu as fait précéder la demande de pardon par un acte d'adoration qui t'aura purifié, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, à savoir l'acte d'adoration le plus important, le plus aimé auprès d'Allah, as-salah, la prière. Et ensuite, le prophète a récité le verset coranique « وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ » Et celles et ceux qui, après avoir commis un péché ou alors avoir porté préjudice à leur propre personne, se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et demandent pardon à Allah azza wa jal. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا. Allah dit dans le Coran, et qu'ils ne persistent pas sciemment dans ce qu'ils ont commis. Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde son pardon. Et des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le paradis. Donc voilà le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rappelle qu'il est important de faire deux rak'at en ayant fait ses ablutions de manière excellente et demander pardon à la suite de ces deux rak'at. Et pendant les deux rak'at, pendant la prière aussi, c'est ce qu'on appelle la prière du repentir. Donc comme je vous ai dit précédemment, il y a mille et une manières de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est bon de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir fait ces deux unités de prière précédées par les ablutions accomplies avec excellence, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. N'oubliez jamais, man taba taba Allahu alayhi, celui qui se repent, Allah azza wa jal accepte son repentir et lui pardonne les péchés. Et malgré tous les péchés que tu as pu faire, eh bien sache qu'Allah interpelle les pécheurs dans le Coran en disant قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اللهم اغفر لنا. Allah, de par sa miséricorde et clémence, il nous dit ô mes serviteurs. Il nous appelle ses serviteurs, bien qu'on a commis des péchés, qui avaient commis des excès à vos propres détriments. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il suffit de demander pardon à Allah en remplissant les conditions. Qu'Allah Azza wa Jal nous compte parmi ses serviteurs repentants qui reviennent à lui de jour comme de nuit jusqu'à notre dernier souffle. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.